Je m'appelle Bruno Cochran, j'ai fait une carrière dans le basket pendant, on va dire, presque 16 ans, 20 ans. Je m'appelle Laurence Fischer, j'étais triple championne du monde de karaté. Bonjour, Jean-Luc Mandanguet, champion de France plusieurs fois, champion de l'Union Européenne. Je m'appelle Hélène Lefebvre, je fais championne de France en skiff junior femme et j'ai participé au championnat du monde où je terminais 9e. Donc Cédric Berest, je fais de l'aviron et je suis médaillé de bronze aux Jeux Olympiques à Pékin et double champion du monde en 4 de couple et en double cette année avec Julien Bain. Je m'appelle Julien Bain, je suis double champion de France en titre en individuel sur l'eau. Double vice-champion du monde 2007 et 2009, et médaille olympique en 2008 à Pékin. Stéphane Traîneau, champion du monde, champion d'Europe et double médaillé olympique de judo. Moi je suis assez fan du sport en général, c'est une grande manifestation de masse, 1650 participants, quelque chose comme ça. Donc ça me plaît. J'espère qu'une fois on sera par exemple en concurrence directe avec Stéphane Traîneau ou d'autres athlètes. Mais c'est le plaisir, c'est de voir aussi l'ambiance qu'il y a dans la salle, de pouvoir voir son petit bateau à l'écran, de sentir qu'on a quelqu'un à côté qui rame autant que nous, c'est complètement nouveau. Même si Coubertin, c'est une salle que je connais très très bien parce que j'ai fait tous mes championnats de France, d'Europe aussi, ici. Le rameur, c'est un super outil pour se préparer, c'est le meilleur outil qu'on peut trouver pour faire de la remise en forme ou de la perte de poids. Et il se trouve que ça a été conçu par des rameurs pour la préparation des Jeux Olympiques. C'était il y a 30 ans de ça. Et c'est une super machine pour travailler la caisse. C'était à l'occasion d'une séance en salle que j'ai découvert cette machine, j'avais quelques problèmes de genoux. Puis je me suis rendu compte que c'était intéressant, c'était un sport porté. Et de la machine, j'ai fini sur l'eau puisque je me suis acheté un bateau. Et que étant hors norme, il a fallu que je fasse faire mon bateau. Et depuis, c'est l'amour entre la salle et puis l'extérieur qui est complètement différent mais complémentaire. Quoi. Là, la machine est fixée au sol, donc par rapport au bateau, on n'a pas la glisse. Parce que l'aviron, c'est quand même un sport de glisse. Mais on a quand même tout le travail de la gestuelle qui est reproduit. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'écran, on sait exactement quelle puissance on met et on peut travailler très finement notre physique. Ce qui m'intéressait dans le rameur, c'est que c'était une discipline complète, un mouvement complet, où je travaillais en même temps les jambes, les bras, notamment le mouvement de tirer. Au judo, on tire beaucoup sur le kimono. Et moi, ça me permettait d'aller beaucoup plus loin sur le plan du cœur, sur le plan de ce qu'on appelle la caisse. Ça me permet vraiment de bosser déjà le cardio pour plein d'autres sports, puisque je fais du judo et pas mal de sports. Et puis en même temps, ça me permet surtout de pas galérer quand il fait mauvais et puis de vraiment me tirer la bourre en salle. Quoi. Ça nous habitue à rester dans les tours et à supporter ça. Je parle du rythme cardiaque, de la fréquence cardiaque. Et en boxe, c'est un peu pareil. On est tout de suite, par rapport au stress et à l'effort, on est tout de suite haut dans les tours et on doit le rester pendant tout le long du combat. Ben pour le mental, on sait qu'on est capable de tenir assez longtemps à des intensités très hautes, puisqu'on l'a testé sur le rameur. Donc effectivement, ça rassure avant le combat du dos, on sait qu'on est capable de tenir. Et encore une fois, ça nous permet après de nous concentrer plus sur la stratégie, sur la tactique, sur la technique et de savoir qu'on est tranquille parce que les 5 minutes de combat, on va les tenir. On sait qu'il n'y a que des sportifs autour de nous, des gens qui aiment se faire mal. Il y a une certaine solidarité. On sait que tous les gens qui sont ici savent, connaissent la douleur de l'ergomètre. Donc il y a une solidarité automatique. C'est quand même un sport qui nous permet et qui nous pousse dans nos derniers retranchements qui, à la fin du demi, on se rend compte que où on a donné, où on a triché. Et ce qui est aussi formidable, c'est que c'est quand même un effort qui est assez violent. Et ce qui est bien, c'est qu'on se sent soutenu, le public est là. Et c'est vraiment bon enfant l'ambiance, c'est vraiment sympa.
ce test-là, il fait partie de la sélection pour l'équipe de France. Donc d'habitude, on le fait tout seul chez nous avec le coach, dans le garage à bateau. Mais le faire ici avec tous les spectateurs et sans machine dans la salle, c'est une ambiance extra. Vous entendez le public qui vous pousse et tout ça, et c'est vraiment un bon plus pour faire un bon chrono. Ouais. Ça nous permet de faire un test ergo entouré des plus forts, on va dire, parce qu'il y a un assez bon niveau ici à Coubertin, et ça nous permet de faire le test ergo face à face, en tout cas en se confrontant au meilleur. Là, d'avoir la sensation d'être en ligne, d'avoir des petits bateaux, de se taper la bourre, vraiment ça, hein, c'est vraiment se battre les uns contre les autres. Ça rajoute un peu de piment et ça donne le petit côté, bah, c'est pourquoi on fait de la compétition et du haut niveau finalement. Ça nous donne un point de repère par rapport aux autres, voir si on est dans le montage, si on avance. Bon, c'est aussi, ouais, c'est plus motivant aussi pour des fois relancer une série ou pour rester à la bonne au temps qu'on s'est fixé. C'est aussi, ouais, c'est encourageant de voir les autres à côté aussi. La compétition individuelle, je n'ai pas connu avant et je me rends compte de la difficulté. Quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les mecs qui sont tout seuls dans l'effort et qui n'ont personne justement pour les soutenir pendant l'effort en tout cas. Ça change carrément du basket où tu peux être sur le banc pendant une année et puis être champion de France à la fin. Quoi. Depuis qu'on est junior, on court l'un contre l'autre. Et bah, une fois c'est l'un qui gagne, une fois c'est l'autre. Là, ça fait 2 ans que je bats Julien sur l'ergomètre et ça fait 2 ans qu'il me bat en bateau. Donc moi j'aimerais bien réussir à le battre en bateau et lui il aimerait bien me battre à l'ergo, donc il y a une grosse émulation entre nous. Ouais. C'est vrai qu'il est très fort sur l'ergo, je sais que je suis physiquement un peu moins fort, donc je vais avoir du mal à rattraper, je m'entraîne pour, hein. L'objectif c'est toujours, avant je voulais le battre sur l'eau, j'ai réussi à le battre sur l'eau et j'ai continué à le battre sur l'eau je pense, j'espère. Maintenant on travaille aussi pour être tous les deux très forts en double après pour les mondiaux. Thank you.